Salut, moi c'est Émilie. Je suis chimiste depuis quoi? Oh, 35 ans. Oui, 35 ans. Eh bien, j'étais haute comme trois pommes quand j'ai commencé à m'intéresser aux sciences. Je savais pas c'était quoi, les sciences, et j'aimais déjà ça. J'adorais observer, questionner, expérimenter. J'ai toujours été une petite manuelle. Ma mère en revenait pas de ma patience, de ma minutie. Puis mon père, j'étais bien fière de sa fille. Je posais des tonnes de questions. Pourquoi le savon fait des bulles? Pourquoi le pain lève? Pourquoi les feuilles des arbres sont vertes? Pourquoi il faut pas boire de l'eau de Javel? Mon entourage était parfois épuisé. Mais je cherchais à comprendre tout ce qui m'entourait. Puis, un jour, je suis tombée sur un livre. J'ai tout de suite su ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être chimiste. Vous savez, la chimie, on n'y pense pas, mais elle est partout. Alors je me posais la question. Est-ce que j'allais choisir la santé, l'alimentation, le judiciaire, l'environnement, la recherche et le développement? Moi, c'est Émilie et je suis fière de faire partie de la grande famille de l'Ordre des chimistes du Québec. Aujourd'hui, j'ai un doctorat en biochimie et je fais de la recherche et développement. Et chaque fois que je constate que mon travail a un impact sur la vie des gens d'ici et d'ailleurs, je me sens tellement utile.